Ah, couleur, regarde. T'entends, t'entends comment ça craque sous la dent là? Ouh là 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 là! De la rivière à l'assiette. C'est vrai? Le goujon, ah ouais. C'est bon. On est sur le Siron, on va faire un petit apéro. Pêche au goujon, au bouchon. On va vous faire découvrir le Siron, qui est une petite rivière du Lot-et-Garonne, qui a la particularité d'être toute dorée. Pas pour rien, elle va jusqu'à Sauterne. Ça va Jérémy? Ça va très bien, oui. Et puis on va essayer de prendre quelques goujons, tout ce qui va être verron, la petite friture quoi. Gaspard, t'es prêt de pêcher le goujon aujourd'hui? Oui. T'as déjà pêché le goujon? Non. Première fois? Oui. Trop bien. Le goujon, c'est un poisson qui traîne sur le fond. Voilà. Ce qu'il faut faire, c'est tu mets un plomb environ à 5 cm de l'hameçon. Et on va essayer d'en faire quelques-uns, oui. Et voilà. Ça c'est quoi bien, ça du coup? Ça c'est un verron. Ça c'est bon en friture? Ah ça c'est très bon en friture. Ouais, bravo. Grosse pêche quoi. On va faire un gueuleton avec ça, je vous dis pas. T'as commencé à quel âge toi la pêche au goujon et au verron? 4-5 ans, mon père m'a mené beaucoup à la pêche. D'ailleurs c'est un peu grâce à lui qu'aujourd'hui on est là aussi, parce que c'est lui qui m'a montré ces endroits. Là c'est un goujon, bon c'est un petit, hein. C'est vraiment le goujon, ah oui, il est acheté, le ouais. Poisson typique, des magnifiques couleurs, vraiment sympa. T'aimes bien la pêche? Oui. Qu'est-ce que t'aimes bien la pêche? Bah c'est quand je veux ici attraper des poissons. Oui, oui, j'en ai un, ça y est. Il faut aussi prendre des forces quand t'as la pêche au verron et au goujon. Ah, parce que sinon... Santé les gars. Santé la vie la tienne. Tu as un petit verre? Ça fait du bien ça. Gaspard, aujourd'hui t'es le porte-poisson. Ça te va comme poste ou pas? Ne cherchez pas un petit poiscaille avant de pêcher par le goujon. En train de compter les poissons, je pense qu'on va se régaler. Tu sais combien il y en a? Tiens, pour les bons coups quand même. Il n'en manque plus qu'un pour faire un bon chiffron, il y en a 79. Un peu de cochon là. On va servir de friture parce que le but de la pêche c'est quand même de déguster ce qu'on pêche. Et moi j'ai toujours rêvé de faire ça. C'est la friture de verron et de goujon. Puis s'il fait trop chaud, on va aller se baigner. Ouais, qu'on se trempe le cul dans l'eau. Eh oui, on va se mettre au frais. Un peu de piment d'Espelette. Tiens, Gaspard. Là les gars. Pâté au sanglier au foie gras, faut goûter. Tu vas voir. C'est très très bon ça. Écoute, on va fariner les poissons. Sinon, t'as aussi le sablage à la landaise. En fait, tu les jettes directement dans le sable et ça on va s'accroquer un peu sous la dent. Fariner à la landaise. Ça chante dans la poêle. Ça chante dans la poêle. Ça chante aussi dans les herbes. Regarde la couleur, regarde la couleur. Là, on est bien. J'adore. Avec un petit coup de. Et il y en a rose, magnifique. Allez, qui veut goûter? Allez, approchez-vous, allez, approchez-vous allez, là. Approchez. Là, voilà, le deuxième fournée. Elle est encore plus croustillante, c'est là. Regarde ça. Et les gars, il n'y a pas plus frais là. Ils sont bien dorés là, c'est magnifique. Ça, c'est de l'apéro, les gars. C'est encore meilleur ça. Hein. Oula. Monstrueux. Monstrueux. Mmh. Là. Et là, il n'y en a pas de la braise là ou quoi? Qui veut juste se cacher? Le non, petit sauterne qui va bien, couleur dorée comme le Siron. On est pas mal. Les gars, il fait tellement chaud aujourd'hui qu'on voit une petite bulle dans l'eau parce que ça nous rafraîchit. Toi, tu vois ça toi? Merci. Hop. Ouais. Hop. Mets ton baiser. Les gars, je vous promets, cette bulle me fait du bien parce que il fait 35 degrés là à l'ombre. Ouh là là là. Allez, santé les gars. Santé. Santé. Moi, j'arrive pas à comprendre les gens en fait. Qu'est-ce qu'ils veulent? Des choses simples ou des choses compliquées? Des choses simples, tu te mets les pieds dans l'eau, les genoux dans l'eau, tu ouvres une bouteille de sauterne et paf! Voilà, ça fait rêver les gens quoi. La couleur elle est dorée, l'eau sauterne il est doré. On est bien là les gars, mais... L'or du Siron. Allez bon Yvon, on n'a qu'une chose à vous dire. La pêche au goujon et le sauterne dans le Siron, ça match. Et sentez les bons vivants! Et sentez les bons vivants!